After my studies in journalism in Colombia, I went to work in Europe. I could see the unlimited thirst of states and companies for our natural resources. I started to wonder, who are the new conquistadores? How do they operate? How far are they willing to go? Avec les films, on a vu que c'est un bon exemple, pousser et aider avec trois cas emblématiques, parce que nos trois protagonistes sont au Brésil, au Honduras et au Pérou, et elles font face au pouvoir des grosses multinationales du pays du Nord. Et donc on se rend compte que c'est un film qui permet clairement de voir jusqu'où les corporations sont prêtes à aller pour continuer à produire. Et là-bas, ce qu'on veut pousser au-delà des devoirs des corporations, c'est aussi les besoins des lois pour que les personnes qui défendent l'environnement, ça ne leur coûte pas la vie. Sur les 200 défenseurs assassinés chaque année, défenseurs de l'environnement dans le monde, 75% sont en Amérique latine. Évidemment, si on veut faire bouger les lignes, ben on arrive, on n'est pas juste des observateurs objectifs, des scientifiques, on va écrire et à la limite personne ne nous lit, c'est pas grave. On est des journalistes et donc on utilise cinéma, journalisme, activisme et c'est au fait cet ensemble de choses qui nous permet aujourd'hui de, ben voilà, d'arriver dans les parlements, à l'ONU, arriver dans les salles de cinéma. On voit aussi qu'il y a des hommes, les chefs d'industrie sont des hommes, ceux qui vont extraire, beaucoup d'avocats qui travaillent pour les entreprises, ce sont des hommes. Et finalement, on voit que la gente masculine est dans le film. Et évidemment, celles qui résistent, ben, ce sont des femmes qui osent, avec toutes les difficultés que c'est d'être une femme, se mettre en avant. Parce qu'elles sont un double challenge, pas seulement les challenges publics comme les sont d'aller faire face dans un monde assez patriarcal aussi, le monde de l'État, le monde des gens qui prennent des décisions, faire du leadership, c'est difficile pour les femmes. Quand on va là-bas, on se rend compte que la situation pour avoir une société consumériste comme la nôtre, là-bas, c'est extrêmement violent. C'est du point de vue de ces trois femmes protagonistes qui sont très, très inspirantes, même si elles ont peur. La peur les mobilise, en fait. La peur ne les paralyse pas, mais elles vont continuer. Elles ont une conviction de faire ce qu'elles doivent faire. Et ce que je vois souvent dans les débats ou les questions après les projections dans les différents pays où on a été, c'est cette question de « et nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué de dire « voilà, il faut à un moment donné aussi choisir un choisir et se rendre compte que nous, on est tous et toutes responsables et que de là où on est, on peut toujours faire quelque chose. Il ne faut pas non plus exposer sa vie comme elles le font, mais il est grand temps que tout le monde se questionne là où je suis, qu'est-ce que moi je peux faire pour arrêter cette situation ?»